Bonjour, nous sommes un groupe de 12 élèves. Nous représentons la classe de terminale bac professionnel SAPAT, service aux personnes et au territoire, au lycée agricole La Roitière à Souillanens. Dans le cadre du Trophée Prévention Jeunesse, nous allons vous présenter notre campagne sur risques psychosociaux. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la démarche mise en place, puis dans un second temps, l'action réalisée. Dès le début de la rentrée 2019-2020, nous avons effectué des recherches documentaires. Nous avons interrogé différents professionnels lors de nos périodes en entreprise afin de choisir la thématique de notre action. Nous avons retenu les risques psychosociaux et le burn-out. En effet, nous avons fait le constat que les signes de souffrance au travail se multiplient dans le secteur médico-social, notamment au niveau des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en milieu hospitalier et dans le secteur de l'aide à domicile. Nous avons donc décidé d'orienter notre action de prévention auprès des professionnels de santé en hôpital et en EHPAD. L'objectif de ce projet est de favoriser la libération de ce sujet qui n'est pas une honte et que cette situation reste réversible. Donc le déroulement a commencé par des recherches sur le sujet, donc qui est un épuisement professionnel dû à un stress professionnel chronique. Nous avons coupé ces recherches du burn-out par des témoignages de personnes ayant souffert de burn-out. Grâce à ces recherches et à ces témoignages, nous avons fait trois affiches, donc une sur les causes, une sur les conséquences et la dernière sur les solutions. Grâce à ces affiches, nous avons mis en place un questionnaire qui pose des questions aux professionnels soignants pour savoir la qualité de nos affiches. Ensuite, nous avons pris un rendez-vous avec l'EHPAD de Brame, donc avec une psychologue et une ergothérapeute, qui était positif à notre projet. 15 jours après, lors de notre demande de deuxième rendez-vous, on nous annonce que le projet ne pourra pas aboutir parce que le directeur n'a pas voulu, ce qui nous prouve que c'est un sujet très sensible dans cette profession. Mais en parallèle, nous avons contacté le centre hospitalier de Revel et nous avons rencontré la cadre supérieure. Elle était très favorable à notre campagne et lors d'une réunion pluridisciplinaire, elle a discuté de notre campagne et ils étaient tous très favorables à notre campagne. Lors de cette réunion, il y avait le directeur des ressources humaines qui a validé aussi notre campagne. Elle a discuté aussi la cadre supérieure avec le CHSCT, le comité d'hygiène de sécurité des conditions du travail, qui a aussi validé notre campagne. Il y avait aussi le directeur de l'hôpital de Castres qui était très intéressé pour son établissement. Ensuite, nous avons fait les devis pour savoir quel était le coût de notre campagne. Maintenant, je vais vous montrer notre diaporama qui va vous expliquer le déroulement de notre campagne.
Donc le diaporama vous a expliqué le déroulement de notre campagne. Mais au vu de la situation sanitaire actuelle, nous n'avons pas pu continuer le projet. Mais nous avons quand même continué à garder contact avec le centre hospitalier de Revel, qui est toujours d'accord pour continuer avec nous. Mais aussi, nous avons contacté l'EPA de Carcassonne, qui est d'accord pour un partenariat avec nous. Et cette campagne commencera le 15 mars. Ce travail a été l'occasion de développer nos compétences afin de travailler en équipe. Nous avons également gagné en autonomie et appris énormément sur ce sujet qui peut concerner tout le monde, nous, demain, futurs professionnels. Si nous gagnons, nous souhaitons pouvoir financer la campagne à l'hôpital de Revel, mais également l'élargir sur d'autres établissements. Nous remercions aussi tous nos partenariats. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce thème de prévention ? Nous avons choisi ce thème de prévention car lors de nos stages en EHPAD, nous avons observé beaucoup de situations de stress, beaucoup de situations de mal-être, et c'est pour ça qu'on en est venu à ce burn-out. Comment avez-vous conçu et monté ce projet ? Comment vous êtes-vous organisé dans l'équipe ? Quelles ont été les étapes pour travailler ensemble ? Alors, nous sommes répartis les tâches. Donc, il y avait plusieurs sujets, plusieurs recherches à faire. On était répartis par groupe. Et c'était chaque groupe avait son sujet. Il devait travailler sur ce qu'il avait à travailler. Et ensuite, on se remettait tout en commun. On a créé le dossier ensemble, en remettant toutes nos idées ensemble. Donc comme Anna a dit, on s'est tous répartis des tâches. Chacun, en fait, on a parlé, on a dit bon, tel groupe va faire ça. Et en fait, on s'est basé sur les connaissances de chacun. Donc par exemple, pour faire les affiches, on a décidé que Anna, comme elle était très bonne photographe, allait prendre des photos. Clotilde et moi, comme on s'y connaît un peu en informatique, en montage, des trucs comme ça, on a fait la mise en page des affiches, voilà. Et par exemple. On a fait aussi... Je suis désolé, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. voilà, on s'est basé sur les connaissances de chacun, en fait, pour avoir un travail... Je suis désolé. On s'est basé sur les connaissances de chacun pour avoir un travail de qualité, qui soit à peu près vraiment de bonne qualité, pour qu'on puisse avoir toutes nos chances de côté, voilà. On a tous effectué le diaporama avec le logiciel LibreOffice et avec donc les affiches qui étaient déjà prêtes, avec les diaporamas, avec le dépliant, le questionnaire, et on a eu un témoignage d'une personne. Et aussi pour construire ces affiches. Donc, nous avons pris des photos au sein du lycée. Donc, on a décidé de masquer les visages pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Ensuite, pour les mots, nous avons un peu pris ce que nous avons entendu au sein de notre stage. Le manque de valorisation, la charge émotionnelle, c'était un peu tout ce qui ressortait de notre stage. Ce que je veux dire. Et aussi, pour la musique du diaporama que vous avez visionné, nous avons fait appel à un très bon ami à nous qui a créé cette musique lui-même. Donc, pas de droit d'auteur car il nous a autorisé. Et voilà. En quoi avoir participé à ce projet vous sera utile dans votre situation professionnelle future ? Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce projet ? Alors ça nous a apporté de l'autonomie, de tous ensemble, aussi un travail d'équipe, qu'on pouvait tous travailler ensemble, chacun donne ses idées, s'écouter aussi, l'écoute, mais aussi pour nos métiers futurs, on est tous à l'aide à la personne, et voir qu'on peut être aidé pour le burn-out si ça nous arrive, voilà. Vas-y. Ça nous a aussi apporté beaucoup de satisfaction de créer ces affiches, de monter ce projet, de
de construire tout ça tous ensemble, de nous propres, avec grâce à l'aide de notre professeur aussi, ça nous a vraiment aidé et vraiment donné de la joie en fait. Voilà. Comme aussi, on a pas mal travaillé sur le projet que je pense que à la base on savait pas trop qu'est-ce que c'était parce que c'est un sujet quand même assez tabou. Ça nous a apporté pas mal de connaissances et dans notre milieu professionnel, ça peut aussi, on peut prévenir les professionnels avec qui on va travailler, en parler, faciliter le sujet. Voilà. Mais comme a dit Justine, ça nous a procuré de la valorisation parce qu'on a vu que les professionnels, la cadre supérieure, étaient partants pour notre projet, à valider le projet. Donc aussi au niveau professionnel, ça nous a valorisé, ça nous a vraiment beaucoup valorisé. Quelle action de prévention avez-vous mis concrètement en œuvre dans le cadre de ce projet et auprès de qui ? Donc, on a mis cette campagne auprès des personnels soignants, donc en EHPAD et en hôpital. Et voilà. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Quelle action de prévention avez-vous mis concrètement en œuvre dans le cadre de ce projet ? Et auprès de qui ? Alors, concrètement, on n'a pas pu mettre en œuvre la campagne parce que c'était dû à la crise sanitaire. Donc on avait mis des dates en place pour faire cette campagne, mais au vu de la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Mais du coup, ça aurait été des affiches, et voilà. Un dépliant aussi et un questionnaire pour évaluer vraiment les cas et les personnels soignants s'ils étaient en détresse ou pas dans la structure. Comment pensez-vous poursuivre ce projet ? Quelle suite allez-vous donner à votre projet ? Donc, pour la suite, si nous gagnons, nous aimerions pouvoir continuer à financer pour faire cette campagne dans plusieurs EHPAD, centres hospitaliers, que ce soit à Castres, à Revel ou à Carcassonne ou d'autres lieux, et pouvoir continuer notre campagne, pouvoir sensibiliser le personnel soignant.